Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la première édition du All Inclusive Show, l'émission de celles et ceux qui ont fermé et qui veulent l'ouvrir. Alors on espère que vous serez de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre pour parler de vous, échanger les bons process, surtout en cette période si compliquée. Ne vous inquiétez pas, on est tous positifs après les tests, hein, bien sûr, parce que positifs dans l'état d'esprit, mais on s'est tous testés avant de venir. Les distanciations sont respectées, il y a même des plexis. Et pour me rejoindre dans cette première édition, deux invités de marque, puisque nous avons honneur aux femmes, Christelle Dumont, la directrice, la gérante de la boutique Bréa de la Grande Rue d'Oulin. Bonjour Christelle. Bonjour, hein, bonjour à tous. Et nous avons le grand James Iron, le créateur de The Wow Effect, notre plasticien, notre chirurgien, mais ça n'a rien à voir avec le médical. Bonjour James. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Oui, ça n'a rien à voir avec le médical, je confirme. Prothésiste, si je le rajoute, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce que vous faites déjà ? Prothésiste plasticien dans les milieux du cinéma, c'est maquilleur et costumier en effets spéciaux. La classe, notre personnalité, on est ravis de l'avoir avec nous et on est ravis d'avoir Christelle Dumont avec nous également. Bien sûr, c'est compliqué en ce moment, mais on vous redonne le sourire en vous parlant de ce qui marche, en vous parlant de ce qui peut vous aider, vous qui êtes fermé ou vous qui n'êtes pas encore ouvert. Alors Christelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait vous connaître un peu plus. Oulin, pour vous, c'est quoi ? Un silence déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Le silence de la plage, Oulin Beach, on connaît. Est-ce qu'on enchaîne avec James, qui lui peut encore parler, pour nous parler de lui, ce que représente pour lui Oulin. Ce que représente Oulin pour moi, bah c'est ma ville d'adoption depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que Oulin m'a adopté. Et j'y suis très bien. Un petit peu caché, donc pas à la vue de tout le monde. Je suis pas dans la grande rue, je suis rue Jean Basset. Et je reçois les gens au showroom sur rendez-vous. D'accord. Le showroom qui se situe rue Jean Massé, donc, vous venez de le dire. Et en même temps, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce showroom. On parle forcément du cinéma. Beaucoup de créations de costumes, de masques, de décors qui ont tantôt servi pour le cinéma, pour le théâtre, des créations personnelles, puisque bah, avec le Covid, je me suis mis à créer pas mal de choses et que je diffuse le plus possible sur les réseaux. Alors, on en a une, je la cherche un peu. Elle est là. Notre pièce maîtresse. Montrez-la, James. Oh bah, c'est une des créations qui a été faite sur la base du visage d'Arnold Schwarzenegger sur Terminator 1, voilà, qui a été réalisée entièrement en plastiline, moulée, modelée et ensuite tirée en latex avec des parties semi-métalliques et des implantations cheveux par cheveux. Donc, c'est 700 heures de travail pour un masque comme celui-ci. Voilà, un exemple. La classe de James Cameron à James Iron, il n'y a qu'un pas, c'est The Wow Effect. Christelle Dumont, là, on revient à vous et vous n'allez pas y couper. Christelle, vous bossez dans le prêt-à-porter féminin à Oulin. C'est pour ça que vous vous levez tous les matins ? Oui. Ça fait plus de 20 ans que je suis commerçante à Oulin. La boutique Bréal, c'est du prêt-à-porter féminin, de la taille 36 à la taille 46. C'est une passion de commerce, hein, depuis plus de 20 ans, surtout à Oulin. La clientèle, on la connaît, elle est régulière. C'est un échange, un partage. On connaît vraiment nos clients. Hein. Passion soumise à rude épreuve depuis la fermeture, bien sûr, et vos clients et clientes que vous ne voyez plus en ce moment. Racontez-nous un peu comment se passe cette nouvelle fermeture pour vous et surtout, qu'est-ce que vous avez décidé et pu faire pour que ça redémarre ? Bah, effectivement, c'est très compliqué. Hein. Le click and collect n'est pas possible à l'heure actuelle. Mais on est en train de mettre en place, à compter de jeudi de la semaine prochaine, un e-réservation sur le site Bréal. La cliente pourra récupérer dès l'ouverture ces articles qu'elles ont sélectionnés. Et Christelle, on l'a dit, hein, c'est la période faste des commerçants habituellement chaque année, les fêtes de fin d'année du coup. Quelles sont les pièces maîtresses de vos collections qu'on pourra retrouver en boutique dans les prochains jours ? Alors j'ai fait une sélection de 3 articles. Bon, après, on a beaucoup, beaucoup de références, énormément. On reçoit des nouveautés toutes les semaines. Donc déjà, on a mis en place un réassort et des nouveautés dès la semaine prochaine. Mais là, j'ai fait une sélection sur une pièce maîtresse
sur le manteau. Est-ce qu'on peut parler de duffle coat quand c'est pour les femmes? Question existentielle, hein? Attention, je rentre pas si j'ai pas la réponse. Bah. Oui. Il le fait. La réponse est pas possible. C'est pas possible. Non, c'était pour vous perturber un peu. Bah ouais, mais carrément. Si on peut pas taquiner un peu le commerçant de Doulin qu'on adore en plus. Non, voilà le manteau. Donc... Ouais, c'est un manteau. Un mental, il est tout seul. Oui. Oh, il faut rester un peu zen, hein, parce qu'on ne peut pas y arriver quand même. Hein, c'est compliqué. En plus, il fait plein de degrés. Je vais fondre. C'est tout en gros pull. Je présente ce manteau. Donc, on va de la taille 36 à 46. Voilà. Après, j'ai fait une autre sélection d'un pull. Donc, acrylique et mohair. Voilà. Pareil, 36-46. Et... un jean, un pantalon, hein. Donc qui va de la taille 36 à 46. On peut retrouver du coup tous les articles sur le site web. Tout à fait. Je me tourne vers James, du coup, James Iron. Est-ce que vous ressentez un peu ce besoin de développer, de se diversifier par rapport aux commerçants ou par rapport à votre activité? Bah de toute façon, ce qui est important, c'est de... On est face à un événement qui nous arrive pour la première fois à tous, que ce soit à Oulin, en France, dans le monde entier. Notre devoir, c'est notre capacité de réagir et à trouver des solutions. Et je crois qu'on a l'exemple même de quelqu'un qui trouve des solutions pour continuer à satisfaire sa clientèle. Et en ce qui me concerne, c'est différent puisque je suis dans l'événementiel. Donc aujourd'hui, tout a été annulé, donc on est à zéro. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour nous dans l'événementiel de trouver des solutions pour des événements qui n'ont pas lieu, qui n'ont plus lieu, qui ont été annulés et qui n'ont été même pas reportés, puisqu'on ne sait pas quand ça va repartir. Donc moi, j'ai trouvé d'autres solutions et d'autres alternatives sur d'autres activités annexes. Et je suis très, très triste de voir mes amis commerçants d'Oulin, qui sont des amis pour la plupart. Et je suis heureux, par contre, de voir qu'ils trouvent des solutions. Et en tout cas, qu'ils en proposent à leur clientèle, comme le fait Bréal, et c'est une super idée pour rester en contact avec le client. Est-ce que vous voulez parler de nos alternatives? Enfin, des alternatives que vous avez trouvées? Moi, en ce qui me concerne, je suis très présent sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram ou Facebook, où je montre de façon très régulière depuis des années mes créations, les nouveautés, les nouvelles interactions que j'ai avec d'autres artistes avec qui je fais des collaborations et qui me permettent de continuer à développer dans différents domaines, que ce soit l'événementiel, que ce soit la costumerie et que ce soit également le développement dans le monde de l'art, puisque c'est le domaine dans lequel je me dirige de plus en plus. Pour faire connaître justement mes créations, mais qui cette fois-ci sont exposées, enfin vont être exposées, elles devaient l'être avant le Covid. Et là, on part sur des expos nationales et internationales jusqu'en Russie. Alors James, vous nous parliez de la Russie, avant qu'on passe au quiz pour vous tester un peu tous les deux, enfin de test PCR, hein, un test de connaissances plutôt sympa. Est-ce qu'il n'y a qu'en France que l'événementiel tourne au ralenti, voire plus du tout? Non, plus du tout. Récemment, on a reçu, parce que j'en profite pour dire aussi qu'avec ma compagne, on a créé De Vive Voix, une chaîne YouTube qui fait parler justement le monde de l'événementiel. Donc c'est important qu'on parle les uns des autres de nos activités. Et on a reçu le plus gros, le 4.9 sur l'échelle de Richter de ce qui se passe à Las Vegas, donc le plus gros spectacle de Las Vegas avant Céline Dion. C'est mon ami Frédéric Da Silva qui est mentaliste et qu'on a eu la chance de recevoir et qui nous dit que tout est fermé à Vegas, c'est catastrophique. Ah ouais, ouais. C'est catastrophique. La ville des dîners spectacles un peu. Absolument, tout est fermé. Donc non, aux quatre coins du monde, c'est une catastrophe pour le monde de l'événementiel et bien sûr la restauration, on ne cessera de le dire. Donc oui, c'est très dur pour nous de se relever, ça va être très dur. Sur cette note très positive, on vous le disait, on va commencer du coup à quizer nos invités, Christelle, James, James Christelle. On vous explique les règles. Je vous pose une question. Jusque-là, ça va? Oui. Et vous devez me donner trois réponses en moins de 5 secondes. Ok? Pas en même temps. L'un après l'autre. Et justement, ça me permet de voir un petit peu qui est le plus sharp. Qu'il est un tout petit peu moins. Je vais me tourner vers Christelle, tiens.
Du coup, Christelle, une fois que vous m'avez donné les trois réponses, vous buzzez. Et je suis à côté de vous. D'accord. Buzzez pour voir si ça marche. Hey, pareil, James. Les buzzers ont été désinfectés avant et le seront après, entre chaque émission. Condition générale de vente après l'astérisque, ce que je viens de dire. Condition générale de magasin. Donc, ça faisait le barjot. On y va. 3, 2, 1, Christelle, 5 secondes pour me donner 3 repas d'hiver. C'est bien, Christelle. 0 sur 3. Why not? James, 5 secondes pour me donner 3 repas d'été. Le barbecue, la salade de crevettes. Ding, ça fait 1,5. Voilà. Maintenant qu'ils sont réveillés, on va pouvoir vraiment commencer le jeu. Christelle, 5 secondes pour me donner 3 choses que vous rêvez de faire quand le confinement sera terminé. Bah, réouvrir mon magasin, ça ouais. C'est clair. Les voyages. Ouais. Et me balader. Hey, elle a compris. Hey, hey. C'était pas gagné. Lol. James, on aimerait savoir qu'est-ce que vous vous rêvez de faire ce soir. Joker. J'ai le droit. Ça sonne là. Tout public. Hein. Christelle, on aimerait que vous nous citiez en 5 secondes 3 sports avec un ballon. Top. Basket, foot et handball. Hey, la classe, la classe. Remporté. James, on aimerait que vous nous citiez 3 sports individuels. Top. Le lancer de poids, le lancer de javelot et la et voilà. Et le non, j'ai un peu loupé dernier. Celui-là, mais c'est bien. Un peu loupé, oui. Un peu, mais c'est pas mal. Ça commence à rentrer. On aimerait Christelle que vous nous disiez les 3 choses dont que soit confiné ou pas, vous ne pouvez jamais vous passer. Top. Que je peux jamais me passer. Oui. Ah. Travailler, être avec mes enfants et je sais pas. Un peu de joker, on a deviné. La troisième, James, on aimerait que vous nous donniez, facile celle-là, puis il me voit venir, 3 choses dont vous avez pu vous passer. Top. Je peux me passer de rien, moi j'ai besoin de tout. Oh. Je vous laisse faire l'intervention chez vous en euros. J'ai répondu. Christelle, on aimerait que vous nous donniez 3 choses vertes. Vertes, une plante, un petit pois et cet LM. Oh, il y a de la pub en plus, c'est bien, c'est bien. James, pour finir, on aimerait que vous nous donniez 3 choses rouges. Un camion de pompiers, le nez d'une personne ivre et puis un buzzer. Il est bon. C'est bon pour notre quiz. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Le mot de la fin pour nos 2 invités. Avant que vous veniez dédicacer ce mur derrière moi, avec un petit mot doux ou un message d'espoir, et avant que vous vous exercissiez, ça n'existe pas, et avant que vous vous prêtiez au jeu du basket, car on rappelle que le Lionceau Basket est le partenaire du All Inclusive Show, j'aimerais que vous nous adressiez justement un message de bonheur, un souhait d'espoir, quelque chose pour celles et ceux qui nous regardent. Christelle. Nous avons mis en place dès jeudi de la semaine prochaine sur le site internet du e-réservation pour nos clients et surtout en message, nous attendons nos clients parce qu'on a besoin d'eux. On a hâte avec toute l'équipe de retrouver nos clientes et voilà. Le message est passé, Christelle. Et vous, James, les choses vont aller mieux parce que... À condition de nous soutenir. Et pour nous soutenir, c'est simple, il faut nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou Facebook. On a créé une chaîne qui s'appelle De Vive Voix sur YouTube avec Fiona, ma compagne, Fiona Furiosa sur les réseaux, et James Iron, TWE, The Wow Effect. Il suffit simplement de nous rejoindre, de nous suivre. Nous liker, c'est bien. Nous mettre un petit commentaire, c'est mieux. Et partager, bah, c'est le Graal. Donc, suivez-nous. Le message est passé. Vous venez dédicacer le mur derrière moi ? La classe. Merci. Et un dernier petit jeu entre nous. Le shoot pour le Lionceau Basket, dont on salue bien sûr les joueurs, les joueuses, tout le staff et tous les membres du club, bien sûr, qu'on a hâte de recevoir ici, à Oullins, au 9 Place Anatole France.
on nous amène le panier sans nous défoncer mon tout nouveau plafond. Ce serait cool. Et on finit notre première émission du All Inclusive Show par le Lionceau Challenge, le Lionceau Basket partenaire de notre émission qui est donc venu avec tous les ustensiles du sport de la balle orange. Christelle, c'est à vous. Si vous rentrez le shoot, c'est 50 euros de gagné pour l'un des spectateurs ou spectatrices en bon d'achat à utiliser dans les boutiques des commerçants d'Oulin. Attention, on retient notre souffle. Christelle, c'est quand vous voulez. Hey, 50 euros. Et oui, puisqu'on avait un peu parié hors antenne, Christelle, je vous offrirai en 2021 l'assurance de votre choix. C'est la fin du All Inclusive Show. On est ravis de vous avoir eu avec nous. On espère que vous avez aimé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur la page du All In of Course, bien sûr. Likez, partagez, surtout en dessous de la vidéo, hein, bien sûr. On vous attend nombreux et nombreuses. Rejoignez-nous si vous aussi vous êtes fermé et que vous voulez l'ouvrir. On compte sur vous. Vous êtes les bienvenus au 9 Place Anatole France, à Oulin, place de l'église, là où il y a un grand trou, c'est le métro. Vous pouvez pas nous louper. À la prochaine pour une nouvelle émission.